Et on va presque dire d'ailleurs bonnes vacances au club de Ris-Orangis qui jouait ce week-end également à Boulogne-Billancourt, terrain neutre contre la formation de Ponto Combo, deuxième de sa poule avec 19 victoires et 3 défaites pour l'équipe de Ponto Combo. Et là, c'est la pénalité de la défaite pour l'équipe de Ris-Orangis. Défaite 12 à 10. On va écouter la réaction de l'entraîneur de Ris-Orangis, Christian Pujot, tout de suite. On est tombé sur une très bonne équipe de Ponto. Nous, on a essayé d'élever notre niveau de jeu, mais ça a été difficile et compliqué dans la mesure où je pense que devant et dans la redistribution des joueurs, quand même, dans le jeu, ils nous étaient supérieurs. On a joué toute la deuxième mi-temps chez nous et ça n'a pas été simple, mais par contre on est resté quand même près du score, quoi. Et voilà, il aurait fallu vraiment une action de grande envergure pour pouvoir l'emporter. Et bravo pour la saison, les gars. Bravo voilà. Pour la saison. Bah, franchement, je voulais vous féliciter pour cette année, pour ce match. Bravo. On s'est vendu, on a fait tout ce qu'on a pu. Et franchement, on est fiers d'être entraîneur de vous. Franchement, on est fiers d'être vos entraîneurs, parce que tout le monde s'est vendu. Ouais. Tout le monde était comme des chiens là, et ben, on est fiers de vous, les gars. Ouais, merci. Merci pour cette saison, les gars. Merci bien. C'est très bien. Et très belle saison du club de Ris-Orangis qui termine avec 16 victoires, 1 nul, 5 défaites en saison régulière. Donc, à suivre pour la saison prochaine.